Ce matin, une trentaine de collégiens du diocèse de Périgueux et Sarlat, ce sont les t-shirts blancs, s'apprêtent à vivre une journée de pèlerinage à VTT. Bonjour à tous, appelez les VTT, est-ce que vous êtes en forme ? Oui ! Ils sont encadrés par les t-shirts bleus, les animateurs. En jaune, les lycéens chargés de l'installation du camp. Et en rouge, les adultes, responsables de l'intendance. Tous sont au service des collégiens. Avec Fatima ! On est toujours là ! Avec Fatima ! On ne Et c'est parti pour l'étape du jour. Elle traverse la campagne périgourdine et des sites exceptionnels, comme ici l'abbaye de Pona. En route, très vite, les difficultés inhabituelles pour la plupart de ces jeunes s'accumulent. Les animateurs, des fois, ils nous poussent un peu en montée. Moi, des fois, je me dis, je vais pas y arriver. Puis là, hier, j'ai monté une côte et jamais j'aurais pensé y arriver sans les encouragements des autres et tout. Donc, franchement, on est un peu tous fiers de nous. Moi, des fois, je prie en montée parce que j'y arrive pas et tout. Et des fois, je sens que j'y arrive, en fait, au bout d'un moment. C'est surtout l'esprit de groupe, moi, qui marque, là, dans ce pélé. Parce que c'est en équipe et c'est pas chacun pour sa peau. J'aime bien pédaler, aider les autres, manger. Voilà. Le silence aussi. J'aime bien le silence. Je sais pas pourquoi, j'adore le silence. Des moments de silence jalonnent le pèlerinage. Les prêtres accompagnateurs invitent ainsi les enfants à ouvrir leur cœur et leur esprit. C'est une école aussi d'apprendre à prier, non pas seulement toujours en parlant ou en récitant des prières, mais laisser le Seigneur être présent dans leur vie et leur dire aussi qu'il les aime et qu'il est là pour eux. Ces parenthèses de recueillement favorisent la rencontre avec Dieu, comme pour Quentin. Il en est à son troisième PLVTT. La première année, je suis venu, je suis rentré chez moi et j'en ai parlé à toute ma famille comment j'avais vécu ce moment. Et je leur ai dit que j'avais vécu ce moment comme si j'étais relié au Christ. Et comme je n'ai jamais été baptisé, j'aimerais bien me faire baptiser pour l'année prochaine, justement. Au PLVTT, les prêtres ne sont pas à l'écart, mais au cœur du peloton. On voit l'image du prêtre dans l'église qui est en train de faire sa messe. On le voit tout droit, tout un peu froid. Et là, on les voit là avec nous dans l'effort. C'est un nouveau jour et c'est là qu'on a envie de les écouter. Et c'est vraiment là que ça crée des moments de partage et c'est beau. Vers 17h, c'est l'arrivée de l'étape. Chacun s'installe sous sa tente. Au milieu du campement, la tente chapelle où ont lieu les offices religieux. Les enfants sont libres d'y participer. Je dis la vérité, j'y vais pas tout le temps à la messe. Et quand je sors de l'église ou de la chapelle, je suis mieux. Pour pouvoir s'épanouir pleinement, on a besoin de beaucoup de choses, un petit peu, mais de tout. Et on a besoin de la religion, comme on a besoin du sport, comme on a besoin des autres. Et l'idée, c'est pouvoir montrer que on peut arriver à mettre la religion dans sa vie de tous les jours. Qu'on n'est pas obligé d'aller à la messe juste le dimanche, qu'on peut avoir Dieu dans sa vie vraiment tous les jours. Un juste équilibre entre spiritualité, camaraderie et effort, tel est sans doute le secret de ce pèlerinage intergénérationnel.